à toutes et à tous, c'est Yogi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la version 1.5 de mon ressource pack Zeyogi Interface. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce ressource pack, c'est un ressource pack que j'avais fait il y a assez longtemps, qui sert juste en fait à changer l'interface de Minecraft, que je trouve de base assez moche. Et du coup, j'ai fait une interface comme ça, que je trouve plus belle. Après, chacun ses goûts et ses couleurs. Cette version 1.5, elle est compatible avec Minecraft 1.15. Elle est aussi compatible avec Minecraft 1.14. Et je pense qu'elle est compatible avec Minecraft 1.13. Le seul problème, à mon avis, c'est que vous aurez ici le pack en rouge comme tout cela. Mais d'après moi, ça ne devrait pas poser de problème au niveau des blocs. Qu'est-ce qu'elle rajoute en particulier? Elle rajoute tous les nouveaux blocs de la 1.14, donc avec le smoker, les autres blocs comme ça. Qu'est-ce qu'elle change d'autre? Elle change ce fond d'écran-là, puisque de base, dans le Zeyogi Interface, j'avais mis un fond custom avec Birchtown. Et je me suis dit peut-être que les gens voulaient télécharger le ressource pack sans avoir Birchtown en fond, ce que je comprendrais. Du coup, je l'ai enlevé et je me suis dit, bah, les gens mettront le fond qu'ils veulent. Ensuite, j'ai aussi enlevé les titres. Avant, il y avait des titres custom comme Zeyogi, Adrien, Chocolat, etc. J'ai enlevé, voilà, pour les mêmes raisons. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre aussi? On a ces petits boutons-là. On ne peut pas les mettre transparents comme ces boutons-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis en gris et bleu pour que ça aille à peu près avec le reste. On avait un petit bug aussi au niveau là des flèches. Donc maintenant, c'est réglé. Et du coup, si je lance une map, pardon, 1.15, je vais pouvoir vous montrer vite fait les nouveaux blocs, enfin les nouvelles interfaces des nouveaux blocs de la 1.14. Hop, ça charge juste un petit peu. Allez, on se dépêche. Tac, voilà. Hop. Voilà par exemple. Alors, je sais plus comment il s'appelle lui. Alors, oui, bon, il y a un petit problème avec ce ressource pack. C'est que la couleur, vous voyez ici, je peux pas la changer. Et on distingue à peine, mais c'est écrit Loom. Et du coup, voilà, on voit pas forcément le nom des blocs. Bon, moi, je trouve pas ça très grave. Sinon, bah, tant pis pour vous si ça vous plaît pas. Du coup, voilà pour les blocs. Ils sont tous dans le même style, assez simple. Je suis aussi désolé pour vos oreilles avec les villageois. Juste aller en voir un pour vous montrer. Voilà, j'ai aussi changé cette texture-là et je vais m'éloigner. Donc voilà ce que j'ai changé dans ce ressource pack. C'était tout normalement. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire, je vais encore appuyer une fois. J'arrive jamais de toute façon du premier coup à me mettre bien pour terminer une vidéo. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire bien tout simplement à bientôt et à ciao bye bye.